Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va. On va monter rapidement là-haut. Je pense que ça va être une bonne décision à prendre. Et maintenant, on poursuit un petit peu la mission sur le côté. Quel côté ? L'autre. Ah, pas mal comme scène. Je m'attendais pas à ça, sincèrement. Des fois, je suis surpris par leur connerie, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Je vais les scanner rapidement, ça sera plus facile. Ça, je trouve que c'est un peu de la tricherie, quand même, scanner comme ça les individus, pour savoir où est-ce qu'ils se cachent. Je sais pas, c'est mon avis, hein. Donc, je pense que si je passe par les hauteurs, ça va le faire, défendre. Le mieux, c'est que je les tue comme ça. Et hop, le dernier est là. En pleine tête. Et voilà, on va scanner le terminal pour pouvoir... Ah non, même pas. Faut pas le scanner, en fait. Branchez-vous à cette console et connectez-moi au système. Ah si, j'avais raison. Piratage en cours, veuillez patienter. Je préfère ça. Khalil, j'y suis. Surcharge effective dans 3 minutes. Hey Kane, arrêtez un peu de crâner devant Khalil et essayez plutôt de localiser Taylor. Ne déconcentre pas, Hendrix. Trouvé. Taylor est enfermé dans le bloc de détention 7, 90e étage. Il pourrait se tirer de là sans problème. Pourquoi il reste? À quoi il joue? Putain. Est-ce qu'il... ça nous voit? Je ne sais pas ce qui reste du vrai Taylor. Je crois que son cerveau a grillé. On entre! Kane! J'espère que les systèmes d'aide sont désactivés! 30 secondes, tenez la position! Oh lolo, oh lolo! Tu permets que je prenne un petit peu mes munitions? Non, 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 non. D'abord, il m'envoie les raps et après, on parlera dans l'autre vie. D'accord, si tu veux. Ah, les petites ordures! Oh, mais c'est pas possible. Je m'attendais pas à ça, hein. Kane! J'espère que les systèmes d'aide sont désactivés! 30 secondes, tenez la position! Franchement, je m'attendais pas qu'ils allaient m'envoyer les trucs aussi rapidement. C'est bon, heureusement que le RPG est là. Khalil, le réseau d'aide est hors d'usage. Vous avez le feu vert. Confirmation. Renfort aérien en route. D'accord, on a les renforts aériens. C'est vous qui le ralentissez. Attention à vos tirs. Force égyptienne dans la zone. Ah, bon bah là on va passer plus en mode tactique. En plus ils font exprès de se déplacer de cette façon. Ce qui est bien c'est que c'est une vraie boucherie mais il n'y a que moi qui n'a pas le droit de commettre des erreurs. Ah là 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 là. Ah bah ça va, il a tout nettoyé quand même le truc. Hein. Bien joué quand même. Hein. Il reste quelques cyborgs là qui vont arriver sur nous. Mais après c'est bon quoi. D'accord, c'est plutôt correct. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une bonne chance d'avoir cette armée à nos trousses, hein, avec nous, en fait, comme alliés. On s'explose, là. Merci. Encore un tout petit peu, c'est bon. Ok, Kane, parlons boulot. Comment on rejoint Taylor au plus vite? Prenez cette boutique jusqu'au 90e étage. C'est relié au centre de détention. Surveillez Hendrix. Il dépasse les bornes là. Bien sûr. Si c'est pas malheureux, eux seuls contre cette putain de NRC, c'est comme s'ils étaient persuadés d'avoir une chance. On a toujours une chance, Hendrix. Dans moins de 6 mois, ils connaîtront une nouvelle forme d'oppression. Je pèse mes mots.
Ça ressemble à notre arrêt. On est où? Suivez le marqueur. Il vous guidera jusqu'au bloc de détention. Taylor devrait y être. Entendu. On est en route. Par contre, ils ont mis beaucoup d'hostilité un peu partout, hein. Là, en fait, l'objectif, c'est de pas tuer, en fait, les civils. Attends, alors, ils sont un tout petit peu malins, quand même, mais pas trop non plus. Ah, ça y est, les robots, ils arrivent. Non, mais sérieux, les lancers sont magnifiques dans ce jeu-là. Par contre, le shoot de body, il est un petit peu pas terrible en ce moment. Salut le robot, ça va au fond? C'est pas sympa ce qu'il vient de faire, hein. Il vient de me lancer des RPG. Raps, on approche. Oh merde, il y a encore des raps. Par contre, ah, il les envoie là. D'accord, pas de soucis. C'est des petits malins quand même avec leur raps, hein. Je crois qu'il y en a en haut qui c'est pour ça que j'arrive pas à le neutraliser. Ah, ils ont des bonnes armures par contre. Le RPG là, ça leur fait quasiment plus rien. Pas le RPG, plutôt le lance-roquette, parce que ce n'est pas la même appellation. C'est pas pareil en fait. Hop, je vais prendre. Oh, il voulait me taper. Je pensais que c'était mon pote à la base. Voilà, c'est bon, parfait. Il y en a un haut là, j'ai remarqué au dernier moment, mais bon. Ah, c'est vrai, j'avais oublié dans le jeu là, on peut courir sur les murs. Et aussi, on peut se casser la gueule et revenir. Ça, c'était pas mal, ça aussi. Heureusement qu'ils nous ont pas mis les cyborgs là. Rappelez-vous, l'autre a le gros costaud là, qu'on avait du mal à le tuer. Heureusement qu'il est plus trop présent. Hein. Du moins pour le moment, quoi. Oh, là j'adore. Là, ça va faire un feu d'artifice assez gigantesque, là. Ah, il y a notre copain qui est là aussi. Eh ben, on est gâté. Ça, franchement, on les a bien nettoyés. Tiens, un petit trophée. Une petite chicha. Non, mais ils se foutent pas de notre gueule, là, avec leur chicha. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre, ça? Donc lui, par contre, je vais essayer de rapidement le neutraliser. Je sais pas si on peut l'esquiver, je pense que oui. Je préfère un peu patienter. Attends, il m'a un peu mis mes systèmes hors d'état de nuire. Je pense que le plus facile, c'est de faire ça. Hein. Tôt ou tard, il va finir par succomber. Tu vois, je t'ai dit. Ça m'avait l'air un peu logique, hein, à mes yeux. Hein. J'aurais fait la même si j'aurais été en multiplayer avec un robot comme ça. Devant vous, à droite. Les renforts sont déjà sur place. Croyez-moi, on est au courant. Le robot, comment il est agressif celui-là? Mais qu'est-ce... Le combat est terminé. Ouais, c'est bien protégé derrière la ville, derrière la vitre blindée. Hein. Ouais, j'arrive pas à le neutraliser là-bas au fond. Ah, parce que c'est une tourelle, body. C'était une tourelle. Ce ne l'est plus. Taylor a sécurisé la salle et bloqué l'accès à la porte. J'essaie de contourner ça. Tenez bon, plus que quelques secondes. Eh ben dis donc. Là, faut que je me cache que mon système il est mort. Ce qui est bien c'est vous avez comme ils arrivent. Oh là là, tout ce qu'il y a, c'est la fête là en bas. Allez, une pute c'est 4. Heureusement quand même que j'ai des armes de bourrin. Ah franchement, heureusement que je me suis équipé en conséquence. Hein. Parce que si j'aurais le kit par défaut, la bonne chance. Hein.
Il arrive quand lui? Taylor est derrière cette porte, allez-y! Comme si j'avais pas remarqué. Taylor! Taylor, rends-toi. Laisse tomber, John. C'est terminé. Allez, quoi ! Tu me connais ! Hendrix. Ouais. C'est ça, mon frère. T'es toujours là, John ? Tu m'entends ? Tu comprends pas. Je nous ramène chez nous. On sera à l'abri. On sera tous à l'abri. À l'abri. Putain, c'est quoi à l'abri? Comment ça à l'abri? John! John, pars pas! C'est quoi une forêt enneigée? Robot compromis! C'est Taylor qui les contrôle! Ils sont sur le point d'exploser! Les robots de la NRC ne répondent plus. Taylor a pris le contrôle en piratant leur intelligence synergique. Ce truc dans son crâne, ça va lui cramer le cerveau. Je pense pas qu'ils sont méchants maintenant, les robots, aussi. Ah, si, ils sont toujours fâchés, en fait. Hein. Je pensais qu'ils étaient moins fâchés. Je pensais qu'ils les a rendus plus gentils, en fait. Où il va comme ça, bordel? Il faut que tu saches où on va. Où est-ce qu'on va? Imagine-toi dans une forêt enneigée. Taylor, c'est pas toi. Ce qu'il y a dans ta tête, c'est pas toi. Tu peux le combattre. Nos espèces sont connectées. Je sais ce qui se passe. Taylor, t'es là? Taylor! En fait, ce qui me tue maintenant, c'est le froid polaire. C'est le blizzard. Kane, où il est ? Cible identifiée. Sur la passerelle, vers la deuxième tour. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. D'accord ? On va s'occuper de Taylor dans le prochain épisode.